de. Non, bah, si, en carton, si tu peux le faire. Attends, c'est Victor. Entre. Hello. Ah, salut. Oula, ça va pas? Ah ouais, j'en ai une merde. Mais je t'expliquerai, t'inquiète. Attends, t'es sûr qu'il y a que ça? Parce que d'habitude, tu t'en fous, je veux dire, t'arrives, on se marre bien, on se la colle et puis c'est oublié, quoi. Ouais, faut que je te dise un truc aussi. Mais vas-y, je t'en parlerai, et bien on s'en fout. Salut les gars. Ok. Oh. Tiens. Merci. Dure journée? On parle pas, là. Bon, on parlait de quoi? Oh, bah les conneries habituelles, hein. La routine, quoi. Eh mais attends, maintenant qu'on est 6, on peut faire le jeu, là? C'est bien, tu sais toujours compter, toi. Bah oui. Victor, Hugo, Louis, Sébastien, moi. Ouais. Bon, c'est quoi encore son jeu de merde, là? Mais ça va, les gars, c'est marrant, on peut essayer, au moins. Puis au pire, si c'est pas dingue, on arrête. C'est, en plus, c'est très simple. C'est comme le j'ai déjà ou j'ai jamais, si tu veux. C'est-à-dire que... sauf que là, en fait, on dit un truc, les autres doivent deviner est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et s'il y en a un qui se trompe, il boit. Ça va, Ben, on a plus 15 ans, là. Bon, bah, ce tarif, on a qu'à faire j'ai jamais, j'ai déjà. Ouais, autant rien faire sinon. Ah, mais ça va, les gars, c'est marrant, on peut essayer au moins. En tout cas, on va pas gâcher mon vin là-dessus. Oh, ça va, t'as mis combien cette fois? Minimum 50 balles? Minimum. Ouais, ça commence à revenir cher de piquer les bouteilles au beau papa, là. N'importe quoi. Bon, j'avoue, qui en veut? Et allez, bien sûr. Bande de vautours. Bon, qui veut commencer le jeu du gogol, là? Bah, à toi l'honneur, du coup. Ok, les gars, je suis en couple. Sérieux? Bah, faux. Ouais, d'accord, c'est parce qu'une meuf te dit bonjour en souriant que t'es en couple avec elle, hein? Bah non. Bah, faux. Oh, mais tout de suite, ça y est. Non, c'est bon, les gars. Non, moi, je dis vrai. Mais moi aussi, hein. Bien joué, Louis, hein. Non, mais faut que t'attendes que je dise la réponse d'abord, mais oui, c'est vrai, je suis en couple, voilà. Ah, avec qui? Lucie, la fille de samedi. Putain, champion! Merci, yes. Mec. Trop bien! Allez, attends, à moi! Louis, j'ai niqué ta sœur! Non, t'es con, ça fonctionne pas, du coup, faut que ce soit un truc réaliste. Bah, j'ai niqué ta sœur! Ouais! Ouais, bien joué, les gars! Attends, quoi? Bah, en même temps, c'est vrai pour tout le monde ici. Hein? Bah, genre, tu savais pas quand même. Et puis, c'est bon, c'est pas grave, elle a le droit de profiter aussi, ta sœur. Bah, ouais, et puis nous aussi, hein. Attends, toi aussi? Ah, ouais, ouais, dernière fête de la musique, là. Non, c'est bon, je veux pas savoir, c'est trop bizarre. Bon, allez, à Victor! Je vais changer de sexe. Attends, c'est ça que tu voulais me dire tout à l'heure? Mais non, mais n'importe quoi. C'est une blague, hein. Mec, en vrai, moi, je te verrais bien en meuf, hein. Tu sais, avec une petite jupe et un petit carré plongeant... Putain, t'es drôle, toi. Bon, on arrête ce jeu de merde, là. Non, mais si tu veux en parler, Victor, on est là pour ça. Oh, je t'avoue que moi, je m'en doutais un peu, voilà. Non, mais les mecs, je déconne, c'est une blague, c'est bon. Ou à la limite, une petite frange. Mais putain. T'en as parlé à Gwen? Ah, super drôle, bravo. Ouais, Sébastien, à toi, là. Ah non, moi, je vais chercher les petits fours, là. Mais vas-y, Benjamin. Je t'accompagne. Ok, et bah du coup, Victor va changer de sexe. Putain, mais t'es fort, toi, bravo. Tu proposes le jeu et tu comprends rien à la règle. Ah non, mais ce qu'on dit, ça nous concerne pas forcément, hein. Cette histoire de changer de sexe, là, c'est sérieux ou... Ah, mais tu peux pas changer les règles du jeu pendant le jeu, c'est de la triche. Ah, mais ça a toujours été comme ça, hein. Non, mais tu n'as pas d'idée de départ. Mais c'est pas grave, ça, hein. Bon, Victor, tu vas te refaire les nibards? Je vais te faire ta gueule, tu vas rien comprendre, toi. Bah, déjà, t'as déjà le matos, là. Si on prend un petit peu des poignées d'amour, qu'on en met ça là-haut, là, goulou, 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 ça marche bien. Bah, je sais pas, il m'a dit qu'il avait quelque chose de sérieux à me dire, mais... Non, mais arrête, joue le jeu un peu, t'es pas marrant. Non, mais calmez-vous, les mecs, c'est qu'un jeu, hein. Mais ferme ta gueule, toi aussi, là, sale traître. C'est bizarre, sa façon de réagir, quand même. Enfin, c'est pas dans ses habitudes. À mon avis, on a peut-être touché quelque chose de sensible, là. Hein. Ah, puis en même temps, je sais pas. Enfin, je la verrais bien en rousse, tu vois. Ça ferait ressortir ses yeux, et... Peut-être qu'ensemble, on... Non, c'est bon, calme-toi. Puis en plus, le jeu, il coule en vrai, parce qu'on apprend des choses. Et voilà. Putain, pourquoi tu as rabalancé que j'avais un truc à te dire? Maintenant, tout le monde croit que c'est ça. Ah, c'est pas ça, du coup? Il y a autre chose? Mais non, bordel, putain, avec Gwen, c'est fini. Ça y est, voilà, on est plus ensemble, on s'est séparés. Ah, veut pas que tu deviennes une femme? Non, putain. En même temps, je la comprends, ça doit pas être facile pour elle, hein. Benjamin? Ouais? Est-ce que tu veux du vin? Ah ouais, grave, merci. Tiens, tu 15 ans d'argent ta gueule, connard. Mais t'es malade? J'abandonnerai jamais cette paire de couilles, vous m'entendez? Putain, il doit avoir ses règles. Viens, on se casse. Ah!